Tous, on se retrouve sur Nantes sur Callisto Protocol après avoir fait 1h48 sur notre bon vieux AC qui était pas mal dans ce petit live sur Assassin's Creed. J'ai eu 1h48 avant, ouais, parce que, ça fait beaucoup après quand même. Juste la VOD. C'est la quatrième. D'ailleurs, il fallait que je fasse un truc pour la prochaine DVD. Il fallait que je modifie un petit truc. C'est. Ah, c'est celle-là. Que je n'ai pas planifié. Programmé pour. Ça, 19. Je prends beaucoup de live à la hausse. Donc ça sera le 21 du coup de la sur la go. Et voilà, étoile regardez. nouvelle catégorie te Callisto protocole. Moi je dis on va continuer hein, le jeu là, on va continuer un peu. Là, ça y est, Callisto Protocol 16, 17, 18, 19, 20 et 21 là. Ok, ben voilà, c'est cool. J'ai tout planifié, voilà, tout est planifié, toutes mes données sont planifiées, c'est cool. Ouais, le truc c'est qu'elles sont toutes alignées quoi. Ah, j'ai un son ou pas? Parce que j'ai plus de vie en fait là. Vous venez de remarquer ça, on vient d'arriver, j'ai plus de vie. Alors, on en était où? On avait passé la porte, on avait eu quoi juste avant? Ah oui, on s'était battu avec 10 milliards de monstres, ça j'ai oublié. Alors, du coup, on s'est arrêté là hier à 23 h, du coup, on doit 3, activer. 2, 1. Ok, j'amène la dameuse. On se retrouve dehors. J'espère bien. Et retrouver Danny dans la cour. Attendez. Munition à point, bien sûr. Et là, j'ai collecté ici. Oh, parfait état, oui. Ah, avec plaisir. Ah, je mange mon père, quoi. Super. Enfin, 900, 400. Alors, on a un peu grand chose à améliorer. Je vais garder parce que j'ai quand même envie de m'améliorer ça. Ça c'est mon nouveau pompe, ça c'est tac. Veuillez effectuer un choix valide. Sélection non valide.
hackeuse. Allez, c'est parti, let's go, on continue. Ça m'avait manqué, Callisto Protocol, incroyable ce jeu. On fait un peu de Mirage, maintenant on fait un peu de Callisto. Ouais, t'es où là? Putain, ta race, t'es où? Aïe! Ouais, t'es où là, Danny? En fait, je vais un peu canner, genre, dans ça. Il fallait que je t'amène dans la ramine, non mais frère. Eh, c'est grave, à chaque fois je fais ça sur Callisto. Je me bouffe, j'arrive à en bouffer deux. J'arrive à les niquer les deux, mais j'arrive pas le troisième. Ah, je suis dingue moi comme mec. Allez, cette fois-ci. Putain, je vais t'enculer, arrête de me frapper. La PGW, c'est demain. Merde. Mais aïe. Merde, me foutre des gifles. Mais arrêtez de me foutre des gifles, je suis pas votre fils. Tu n'es pas mon papa. Mais tu n'es pas mon père, merde. Tu ne me mets pas des gifles. Après, vous avez tout dit ça à votre beau-père un jour. Moi, non, personnellement. Parce que moi, ouais, il est trop gentil avec moi. Mais c'est bien là. Mais ouais, genre, il me fout des gifles de cow-boy. Il m'arrache la tête. Non, mais ce jeu est violent. À un moment, les gifles de cow-boy, c'est que les darons. Et lui, on va l'enculer en premier. Parce que là, il me fout des gifles de darons. Il a cru que c'était son fils, là. Il m'a envoyé dormir, là. Moi, j'accepte pas. Je ne dors pas, moi, sur Callisto, ok. Ça fait deux fois qu'on recommence pour niquer des... Mais oh, toi, deux fois que tu m'encules, hein, toi. Toi, tu rêves de moi la nuit, c'est pas possible. Viens faire. Mais arrête. Mais c'est grave. Mais... Oh, mais putain, mais saoulez-vous. Ta gueule, ta gueule. Allez, dors. 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 Toi, là. Toi, là. Mais putain, trace, toi. Vous mettez des coups, là. Bâtard. Ah, en plus j'ai du cuisson. Voilà, bien fait pour toi. Tac. Alors c'est bizarre l'endroit où je le tape, mais c'est pas grave. Putain, du coup je vais viser mes balles pour rien. Mais quoi, ouais. Attends. On veut me taper là. On va me faire là. Ouais, dégage. Attends. Mais oh, à chaque fois il me fout des chiffres comme ça. Il m'a saoulé. Allez, pas cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est moi qui gagne. Voilà, c'est moi qui trouve une gifle de cow-boy. Enfin non, moi je l'ai plutôt foutu... Un coup de matraque de cow-boy. Salut, Danny. Mais je l'aime bien. On va faire équipe avec la meuf qui a voulu nous buter ou drame. Ouais, c'est possible. J'espère pas parce que quand même. Je vois rien dehors. Non. Ne me parle pas. C'est quoi ton problème? Arrête. On y est presque. Tout de suite. Quoi?
de mes propres yeux. Tu dois avoir quoi de tes propres... J'ai pas compris là en fait. Tu vas où, merde ? Mais mon gars, je sais pas où elle va ta pote, hein, mais... Enfin... Pote. Jacob, t'as vraiment... t'as vraiment baissé dans mon estime tout à coup, hein, tu vois. Ah, notre collègue est toujours là ? Ah non, il est pas là. Pourquoi il veut pas descendre là ? Ouais, c'est derrière, Guillaume. Hey, qu'est-ce que tu fais ? Y'a quoi là-dedans ? Du matos médical. Connerie ! Ouvre ! Pourquoi ? Parce que je le dis ! On n'ira nulle part tant que tu l'auras pas fait. Ok, d'accord. J'ai indiqué que t'as fait plusieurs livraisons avant l'incident. Oui, moi, une douzaine d'autres vaisseaux de transport. Essaie pas de me baratiner. Je sais très bien que t'es impliqué. J'ai rien à voir avec ce qui s'est passé sur un rock. Qu'est-ce qui t'arrive ? Cet implant me fait perdre la tête. Ça n'a aucun sens. Mais je vais découvrir la vérité. En attendant, tu ferais mieux de te ressaisir. Quelqu'un doit nous piloter hors d'ici. Allez, on y va. Je crois qu'on a vu notre pote mort. Ah oui, bah, du coup, oui, c'était lui. Plutôt mort. Enfin, c'était pas Elias, c'était l'autre là. Ah putain, Elias est mort dans lui. Alors, qu'est-ce que tu t'attendais à trouver ? Une arme biologique de l'UJC. On l'a suivi depuis Europe jusqu'ici. Jusqu'à mon vaisseau. C'est ce que je croyais. La salle de contrôle est droit devant. Prépare-toi. Et là-bas, mieux. Juste pour le kiff. Ouais, je rentre. Baisure. Du soin ? Peut-être du soin, un peu, tu vois, parce que... Je vais pas te mentir, je suis à deux doigts de la mort, là, tu vois, tout de suite. Ouais, pas de soin. J'ai besoin de savoir tout ce que je peux sur ce qui se passe ici. C'est sûr, hein ? Comme si t'avais pas déjà fait la même chose. Pas quelqu'un que je connais. C'était mon habit. Tu le connaissais pas ? Ou tu l'utilisais juste pour t'échapper ? Contre... On paraît combien qu'elle va nous la mettre à l'envers et genre elle va nous laisser partir. Elle va nous laisser crever ici. On paraît combien, mais je connais trop ces genres de jeux. Bon bref, décodeur. Et qu'est-ce que c'est des décodeurs ? Ouais, par contre, injection de santé, moi j'aime bien. En plus de que je crève, s'il te plaît, injecte-moi de la santé. Là. Je m'occupe de l'ascenseur. Salut mon gars. Même si on lui tire tout ça, c'est un truc ça. Et ouais, ça fait bien. À mon avis, quelqu'un essaye de découvrir ce qui se passe ici. Ouais, effectivement, c'est ce que je suis en train de commencer à faire, tu vois.
Bon, il n'y a plus rien. Allez, Danny, on monte ou quoi? Arrête de frapper le sol. Jacob, stop. Ouais! Va demander ce big ascenseur. Je vais te massacrer la gueule, Danny. Bon, allez. En question, je te flash la gueule. Je suis presque. Ouais, on dirait bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais. Commence pas à prendre la confiance. Comment ça? Par tout ce qui se passe ici. Peu importe ce que c'est. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Sur Europe. Europe? Le reporter a dit que t'étais responsable. La propagande de l'UJC. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Un peu comme moi et cette cargaison que tu pensais que je transportais. Peut-être. Ouais, j'ai fait crever quoi. Merci de m'avoir emmené ici, tu m'as emmené dans un bar bourbier et du coup on se retrouve là maintenant. Mais vas-y. Ah, des vaisseaux, c'est bien des vaisseaux. Le voilà. On a 2 minutes. Juste à temps. C'est beaucoup plus gros que mon ancien vaisseau. Tu penses pouvoir le piloter? Je pilote ce que tu veux pour foutre le camp d'ici. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi! Oui, mais chacun doit apprendre à accepter ce qu'il ne peut pas contrôler. C'est moi qui a pété le vaisseau, ce con? Je suis impressionné que vous soyez arrivé jusqu'ici. Vous aviez peut-être du potentiel, après tout. Monsieur Lee, Mademoiselle Nakamura, votre voyage a été long. Depuis Europe. J'ai bien peur que les enjeux soient trop élevés. Le protocole ne peut pas être rompu. Et même si votre histoire se termine ici, sachez que vous avez mon respect. Attendez. Non, non. Allez. 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 Wow. Alors on saute, mon gars. Ah. Bon, comment est-ce que je vais survivre maintenant à présent? Parce que je suis un peu en train de tout redescendre là, je crois. Hein. Danny, c'est un cauchemar. On est dans un rêve, on est dans un rêve lucide, les gars. C'est le cauchemar. Bon, c'était encore notre pote. En dessous.
première colonie, celle sur laquelle la prison a été construite. Il y a un ascenseur pas loin d'ici. On peut le prendre jusqu'au centre de transport, et puis traverser la colonie pour retourner à Black Iron. Retourner à Black Iron? Non, y a pas moyen. On a failli crever juste pour essayer de sortir de Black. On n'est plus là pour s'échapper, je crois. Alors pourquoi? Plus maintenant. Pourquoi on est là? Des réponses! Pourquoi le directeur vient d'abattre un de ses vaisseaux? J'en sais rien. Et c'est quoi le putain de lien avec Europe? C'était censé être juste un autre contrat. Mais ça, c'est du délire. Je sais. Mais est-ce qu'on a un autre choix? Allez, viens. Cette zone n'est pas sûre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à la première colonie? Abandonnée. Tout comme le reste de Calliston. Jusqu'à ce qu'ils construisent une prison. L'UJC doit bien gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, non? Surprenant qu'il y ait encore du courant. Ces vieux générateurs de fusion ont été construits pour durer. Voilà. On dirait que le hangar est toujours en train de s'effondrer. Oui. L'ascenseur devrait être droit devant. Sur la carte, il y avait une boîte de service qui faisait acheter. T'imagines, t'as un pote derrière toi qui fait ça. J'espère que ton plan va pas nous tuer tous les deux. Et pam, pas dans la tête. Oh merde, j'ai mal visé, désolé. C'est de pire en pire. On devrait se dépêcher. C'est ici, c'est ça? Ouais. Mais je vois pas l'ascenseur. Merde. Il est HS. J'espérais qu'on aurait de la chance. Mais cet endroit tombe en ruine. Il doit y avoir un autre moyen de descendre. Alors trouvons-le. Allez, viens. Je sais pas, échelle par exemple. Je sais pas, t'as survécu une chute de au moins 4 immeubles. Donc j'imagine bien que tu sautes dans des décombres. Normalement, tu devrais pas crever. Que tu nous as fait tout à l'heure, je pense mourir là, c'est pas la meilleure solution quoi. Bref. C'est bon, ça va, merci. Je peux voir un autre chemin, je te rejoins. Sois prudent. C'est pire que j'y imaginais ici. Ce truc va tenir? Essaie de pas y penser. Je vais descendre d'échafaudage en échafaudage là où je rêve. Ouais, c'est possible. Elle peut pas toucher le cul et courir. Il faut être un booster là parce que marcher comme ça, ça va être long. Hein. Ah, bam, y'a un monstre qui sort de nulle part et bam, on fait une énorme chute. Un peu génial comme truc. Peut-être qu'on va avoir le comeback du monstre des égouts. Hein. Mais c'est cool ça.
Arrête tes bêtises. Hein. Arrête, Danny, je sens que tu vas nous faire tomber de là-dessus. Tomber dans des endroits miteux, moi. Bah au moins je suis arrivé en premier, hein. J'ai gagné, hein. What the fuck, qu'est-ce que ce merde. Danny. Je sais pas. Je sais pas comment les choses sont ici aussi, mais elles sont différentes, plus anciennes. Elles réagissent au son. Si tu peux m'entendre, je vais essayer d'atteindre le centre de transport. Ah oui, mais là. En tout cas, on est arrivé. Hein. On est arrivé, quoi. Putain, je me demande qu'on n'a pas crevé en se prenant tout ça. Mais bon, on est vivant, c'est. On est vivant, bonne santé, c'est le principal. Hein. Alors, je pense que c'est ça. Hein. Le principal, c'est qu'on soit vivant et en bonne santé, hein, je pense. Hein, parce que bon. Pour les choses comme lui, tu vois, c'est pas une bonne idée, tu vois. Je dois rester discret. Journal de mission 001, Docteur Yo nous rapport. Nous venons d'arriver au centre de transport. Il a été scellé comme une tombe ces 75 dernières années. Les premiers relevés sont non concluants, mais il n'y a aucune preuve immédiate de brèche dans la zone de confinement. Wow. Ouais, ouais, elle est pas belle. Wow, wow. Non, plus de balles. On peut pas se laisser crever là, personnellement. Moi, ça m'arrange, hein. T'as crevé, toi. Oh putain de Sarah, s'il y en a deux qui sont mutés. Oh. On va se recharger ça parce que bon, je pense qu'on va en avoir besoin là. Tout de suite. Oui, sort lui. Il sort. Où tu sors, toi, quoi.
impossible, c'est impossible, j'ai pas assez de vie. J'ai pas de vie, j'ai rien pour les affronter, frère. Je suis désolé, mais ça va y aller au shotgun, hein, ça continue, hein. Ah, je pense que... Voilà, quoi, elle est pas loin, quoi. On va aller au shotgun, quoi, à force, hein. Putain, mais casse les couilles à force. Ah, mais t'arrasse, putain. Mon cul, à chaque coup, comme ça, là. What, frère? Non, c'est chiant, j'ai pas de vie, j'ai rien. Gros, non, ils sont pète couilleux. Non, mais sérieux, quoi, mais donnez-moi de la vie, au moins. Que j'ai rien, je vais mourir encore. Y'a pas de la vie, là? Mais attends, y'a un autre endroit, là. Attends, mais attends, j'ai pas vu ça, là, par contre, tout à l'heure. C'est quoi cet endroit de merde? Qu'est-ce que c'est que ce... Putain, encore un, là. Et c'est déjà mieux que 45, tu vois. Allez, ta gueule. Ta gueule. Donne-moi de la santé, espèce de clochard. Coupe-toi. Je suis à m'adorer, ça. Moins toi, tu vois. Je vais moins t'adorer que moi. Moi, je vais moins t'adorer que toi, tu m'adores. Attends, il y a d'autres endroits pour passer au lieu de passer dans cet endroit. Écoute, tu peux te péter la gueule, je suis plus rassuré quand t'es mort. C'est grave, j'ai pas de balles, j'ai pas de vie, en gros je suis sur le point de mourir, quoi, donc c'est la fin. Je sais pas où je suis encore. Pourquoi pas. C'est une hallucination collective. Je vais vous donner quoi, lui. Putain, super. Voilà, parfait. Parfait, je suis toujours pas dit, quoi. Toi, tu te dis yes, j'ai des objets et tout, là, comme ça. Non mais il ressort encore d'ici lui. T'es pas mort toi de base? T'es pas mort toi de base? Oh putain. Dégage toi. Oh oui, du soin. De la life, mon gars, de la life. Là, je revis, là. Je veux plus aller à ça par terre, ça sert à quoi.
Je suis très content, je suis passé, je suis très heureux là, dans ma vie. Oui, voilà. Oh. Ouh, toi je t'ai bien vu. Tiens, toi je te casse le crâne. Bon. Ah. Ah oui, je sais pas ce qui est arrivé, mais... Ouais. C'est quoi ça? Non mais frère, il y a les autres qui se ramènent, mais wesh. Non là c'est grave par contre. Non mais vraiment c'est chiant ça, mais non. Tiens, le jeu a bugué frère, il a fait un glitch bug frère. Voilà déjà. Ouais, sincérité, je ne sais pas qui tu es, mais je veux pas savoir. Par exemple, je n'ai pas envie de voir les mecs arriver derrière moi. Mais je vais les voir arriver. Il y en a un qui va sortir d'ici là, tu vas voir. Il coupe la gueule encore. Ah oui, du son. Du son. Ah, des balles. Un plan du pistolet tactique. Un autre petit pistolet. Ok. Voilà, ça tombe bien, il y a un truc pour scan en plus en bas. Regarde-le, il est magnifique, il est tout beau, il nous attend. Et bah alors, on va le rejoindre. Parce que nous, on a besoin en plus. Petit truc là. Ah putain, j'ai un truc dans le nez qui me gêne. On les bras après. J'ai les mouchoirs tout à l'heure. Ouais, mon bail. Pour son frérot. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est lui là. Putain, c'est bon quoi là, pas bien. Je suis en train de réveiller. Faites votre sélection. Déjà, tac, nouveau plan tactile. Allez. Les gars, vous savez ce que ça veut dire ça? Déjà 2000. Le but 2000, c'est parfait, voilà. Vous savez ce que ça veut dire? Mais clairement, ça veut dire on améliore le. Yes. UJC ne saurait être tenu responsable en cas de défaut. Yes. Assurance qualité effectuée. Ah bah là, j'ai pas le niveau qualité, on est. Mais pas sûr du pas pris quoi. T'as besoin d'une arme. Allez, non, oui. Trop drôle. Déjà, on va se crafter le nouveau gun. Toute utilisation non autorisée de cet élément sera notée dans votre registre de travail. C'est quoi cette merde? Objet de la chaîne d'impression. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc de timbré là? Qu'est-ce que c'est ce truc de timbré qu'on m'a donné? Qu'est-ce que c'est? Les armes améliorées avec le mode différent et plus de grande puissance à feu. Ouais, putain, frère. Je vais faire une enculade. Attends, on va tester sur lui. Parce qu'il y a un mec là-bas, là. Attends. Toi, tu vas prendre un truc dans la tête. Wesh. Ah, c'est très violent, hein. Ah oui. Va sur le sol, on t'a dit. Laisse pas faire. C'est bien, là. Voilà. Donc je vais faire le mec là. C'est quoi? C'est moi que tu vas attraper là comme ça là. C'est moi que tu vas attraper. Et c'est quoi? Ouais, non, non, non. Sur le sol, on t'a dit, jeune homme. Putain, je me suis bien vénère que lui quoi. Attends, mon nouveau flingue, du coup, il fait quoi comme dégâts? Non, parce que plus vénère que lui, je peux pas trop être plus vénère que mon shotgun maintenant. Ah oui, je vais dire des. Alors, très bien. Tiens, de l'humain, quoi.
dégage. Non, non. Super, en plus il y a toujours pas de soin, hein. Ça c'est... Bien, injecteur de soin, c'est quoi j'en trouve, parce que niveau vie, là, je suis pas très bien, quoi. Bah, let's go. Je sais pas où ça va nous mener cette histoire encore, mais ça va nous mener quelque part apparemment. Au fond là, on avait pas pris là, les gars. Ouais. Même mon perso il est choqué de ce qui s'est passé. Moi un peu moins, mais. C'était moi une. Bon, on attendait pas ce qu'il y a marqué. C'est bien joué, c'est bien tenté hein, de faire ça comme ça, mais. Confronter ce machin. Allez, dégage. C'est vénère par contre. Le jeu est vénère là. Le jeu va me faire, très bien, le jeu va me faire, je crois, le jeu a décidé de me faire alors. En vrai c'est juste hyper gratuit ce que j'ai mis dans ça dans la tuto. Putain, il y en a 3 ici frère, comme si ça suffisait pas, il y en a 3. Au journal de mission. Docteur Yo nos rapports. Ils sont arrivés de nulle part et ont tué Sani et Warren. Ils ont dû s'échapper d'Arcas, piégés pendant des décennies. Après avoir évolué, s'être adapté, ici, dans l'obscurité, j'ai contacté Malheur et demandé une évacuation immédiate. J'espère qu'elle verra vite de l'aide. Ouais, je crois pas en fait, hein. Mais ça se fout plus que votre gueule qu'autre chose, je crois. Hein. Après, vous êtes mort, je suppose que oui, ça se fout plus de votre gueule, quoi. Je suis censé aller où là, frère? Parce que je peux me taper avec 3 monstres à force. Hein. Après, je pourrais clairement me taper parce que j'ai. Je prends combien de balles dedans mon chargeur? Bon, on peut se taper avec. Je suis là les gars. Je suis là ton père. Wouah. Viens. Wouah. Allez, je fais quoi? Merde, j'ai plus de balles. Bah encore. Bah alors, on va faire quoi? On va rien faire. C'est efficace, ça, comme arme, hein, quand même. Tu es mort. Merde. Ouais, ils ont tous pété en... On est parti, c'était très flippant. Je sais pas combien de crédits en faisant ça, mais. Ah, c'est bon, en tout cas. Je pense que là, aujourd'hui, ils vont bien. Ah, c'était kiffant, franchement.
fait un régal. Franchement, de faire ça, un régal. Putain, il m'a fait peur. Mais il fallait aller là. Ok, voilà. J'aurais pu passer à côté de ça, mais bon, moi qui ai décidé de me taper avec tous les mobs, je me suis tapé avec, frère, je les ai tous arrachés. En même temps, j'ai pris shotgun, frère. La shotgun, c'est quelque chose d'important dans le jeu. La shotgun, il fait bien son taf. Hein. Il me casse les couilles, hein, ce machin. Là. Pas manqué, moi. C'est bien nouveau au début du jeu, mais pas plus après. Hein. Après, putain, vous manquez pas. Hein, non. Faut pas oublier que j'étais bien sur vous. Oh non, pas de fois, putain. Qu'est-ce que c'est, il me casse, c'est pas possible, hein. Pourquoi je fais ton petit-fils pour me faire ça? Dégage. Ça travaille à réfléchir à deux fois, ça. Le jeu a clairement pété un câble. Oui, c'est possible que le jeu ait clairement pété un plomb là. Apparemment le jeu croit qu'il y a un ennemi, ah, très bien. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore en bas? Meilleure idée? Oui, je pense. Il y a 4 connards quoi, donc ouais, il y a 3 connards, 4 connards, il y en a 4. Ouais, il y a 4 connards. Il y a clairement 4 connards qui veulent me faire le cul et ouais, qui sont pas sûrs. Une bonne hein, qui va sortir du port. Là, le jeu c'est Enculator Simulator ou c'est. Je suis clairement en train de tous les buter au coup de couteau. Hein, mais... ah, toi aussi tu veux en prendre. Mais viens. Viens. Comme ça on prend les coups tous à la fin. Mais d'abord on se les fait tous parce qu'il reste ça quoi. Et ça je ne les attaquerai pas à la main. Je ne suis pas timbré pour faire ça tu vois. Je suis réaliste, c'est tout ce que je suis là.
Après, j'aurais clairement pu faire ta-ta-ta-ta-ta. J'ai quand même du respect, il communique avec moi. Le respect, oui. Le respect est clairement décédé ici. Enfin, voilà. Plutôt, il se balade à deux, frère. C'est une impre, voilà. Est-ce que tu penses que c'est genre un qui peut dans réponse à la question. Ça veut dire qu'on peut tous les éclater comme ça et nous repérons pas. C'est aussi calme. Hein. Nickel, on aurait pu se demander un peu de fight et tout. Non, non, non. Un coup de coude. Ça marche mieux, ça va plus vite, ça les éclate tous. Ouais. Je peux clairement en éclater un en face d'un autre, il ne verra pas. Wouh, pardon, j'ai parlé trop tôt. Ouais. De toute façon, t'es tout seul, tu vas faire quoi? Vas-y, viens. Vas-y, viens. Ok, tu vas faire ça, très bien, pardon, je me calme. Ta gueule, ta gueule. Avec ton père. Merde. Esquivez, frère. Attaque. Arrive. Arrive. C'est sous pression hein, ce jeu hein. Putain. Bon alors, on a éclaté plus de 10 000 zombies ou je sais pas combien de quoi là mais... Putain comment j'aime pas ce jeu des fois. Attendez. Je pense ouais. Merde. Fais chier, ils sont là eux. Non ouais je les aime pas par contre. T'es sûr que tu veux venir? Vas-y viens. Moi je t'attends. Faites les gens. Qu'est-ce que tu fais, oui. Oh, 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 tu sais que tu vas te prendre une balle dans la tête si tu continues. C'est tellement pratique comme jeu, j'aurais vu. Un shotgun, c'est bien. Cette arme, elle fait des choses sombres. Comme même toi, tu n'as pas idée de ce qu'elle fait. Ah, mais comment elle fait mal là. Oh, c'est un shotgun. Oh merde, attends, j'ai plus de balles. Faut que je charge de flingue. Attends. J'avais une munition. On est éclaté un certain nombre, je commence à. Oh attends, vas-y, je vais aller manger les gars, je reviens. Deux minutes, on va se garder les gars, ah, voilà. Regarde la lune. Je pense qu'on va se couper là. On avait accueilli une belle, un bon live. Hein, de game 55 minutes encore une fois sur ce jeu. Bref les gars, bienvenue à tous. Simplement. Bon les gars, après manger, je vais en reposer, dormir, c'est-à-dire. Donc. Bonne nuit tout le monde, bonne soirée, profitez bien, jouez bien et à voilà, demain quoi.